L'état des lieux, somme toute, est assez simple, puisqu'on est dans une situation un peu paradoxale dans laquelle il y a des dispositions législatives plutôt positives en termes de réinsertion. Notamment, cet objectif est dans l'article 1er de la loi pénitentiaire. Il fait partie, et c'est le plus important, le premier des trois objectifs donnés à l'administration pénitentiaire dans la loi de finances. Et malgré tout, on observe une situation qui évolue peu, une situation dans laquelle les actions conduites par l'administration pénitentiaire en vue de l'insertion des personnes détenues demeurent difficiles parce qu'elles se heurtent le plus souvent à un primat donné à la sécurité, qui est une fonction pénitentiaire qui est plus mesurable, plus évaluable et surtout sur laquelle il y a des risques plus immédiats et donc qui, à ce titre, bénéficie d'une priorité de fait. Quant aux recommandations que le CGLPL a pu faire, elles sont principalement autour de trois domaines. Le premier, ce sont directement les actions qui sont liées à la réinsertion en termes de préparation de la sortie, c'est-à-dire le retour dans les droits sociaux, l'accès au logement, la continuité des soins médicaux à la sortie de prison, et l'ensemble des actions qui permettent de retrouver un emploi, notamment les contacts avec les services sociaux ou Pôle emploi. Tout contact dont j'insiste sur le fait qu'ils sont le plus souvent dans la société contemporaine dépendants d'Internet, et Internet n'est pas accessible en prison, ce qui est une véritable difficulté, un véritable obstacle au recouvrement de ces droits. La deuxième série de recommandations, ce sont des recommandations qui sont spécifiques à l'état de santé un peu dégradé de la population pénale, dégradé par rapport à celui de la population générale, parce que c'est une population qui a eu des parcours de vie plus chaotiques, qui a été moins facilement prise en charge par les services sanitaires. Et donc, parmi les conditions de la réinsertion, il y a le recouvrement d'une bonne santé, à la fois physique et mentale. Et puis, en troisième lieu, on ne peut pas manquer de souligner les difficultés de prise en charge qu'il y a dans les prisons françaises, notamment au regard du problème de la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt, surpopulation qui atteint parfois un taux dans lequel on trouve deux détenus pour une seule place et qui a pour effet de saturer toutes les capacités de la prison et notamment de saturer la capacité de prise en charge à la fois par le personnel pénitentiaire, par le personnel médical, par le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation et par le personnel enseignant qui est évidemment, qui remplit un grand rôle dans les perspectives de réinsertion des détenus. L'expérience récente faite par la France et les expériences des États étrangers montrent que la surpopulation carcérale s'accroît plus vite que la construction des prisons. Parce que la construction de prisons donne le signe politique et social que l'on peut incarcérer et interdit que l'on se pose la question de savoir quel est l'objet et l'utilité de l'incarcération, notamment son utilité sociale. Donc, nous ne sommes pas partisans d'un plan de construction de prison. Nous sommes au contraire partisans du fait que l'on s'interroge sur l'utilité sociale de la prison, notamment pour les très courtes peines. Parce que, vous avez raison, tous les détenus ne sont pas également dangereux. Et s'il y a des détenus qui sont condamnés à de longues peines, ce ne sont pas eux qui font la surpopulation carcérale. Ceux qui font la surpopulation carcérale, ce sont des détenus condamnés à de courtes peines, peines qui sont tellement courtes que le temps de prise en charge en vue d'un aménagement de peine est insuffisant et donc ces peines ne sont pas aménagées. Et malgré tout, elles ont un rôle de rupture très important dans la vie de la personne qui leur est soumise. C'est une rupture des liens sociaux, des liens familiaux, c'est une perte de logement, c'est le plus souvent une perte d'emploi et c'est une interruption dans la totalité des droits qui font la vie courante de chacun. Et c'est cela que la réinsertion doit, en plus des difficultés qui ont conduit une personne en prison, en plus il faut compenser ce phénomène. Thank you.
Les chiffres sont assez simples. Il y a à peu près 60 000 places dans les prisons françaises. Ces 60 000 places sont occupées par 72 000 personnes. Mais il faut absolument se garder de faire une moyenne entre ces deux chiffres parce que la surpopulation ne concerne pas tous les établissements, elle concerne seulement les maisons d'arrêt. Donc il y a en réalité une densité carcérale de 140% dans les maisons d'arrêt, c'est une densité moyenne. 140%, ça veut dire qu'il y a concrètement 3 personnes pour 2 places. Et c'est une densité moyenne qui connaît des pics très importants et graves, notamment en région parisienne ou outre-mer, qui peuvent aller jusqu'à 200%. Nous avons notamment montré des chiffres de cet ordre dans plusieurs établissements de la banlieue parisienne et notamment à Fresnes, où la densité de l'une des 3 divisions de Fresnes est supérieure à 200%. Quant aux maisons centrales, il y a en France à peu près 2300 places de maisons centrales. Ces 2300 places ne sont pas occupées en totalité. Il y a seulement 1600 détenus. Ce sont les détenus les plus condamnés aux peines les plus graves ou qui présentent le plus de difficultés de prise en charge pour l'administration pénitentiaire qui sont placés dans ces établissements. Et si on voit que ces établissements ne sont aujourd'hui remplis qu'à à peu près 70 à 80%. Nous pensons même, nous avons même montré dans certains rapports que ce taux de remplissage est excessif dans la mesure où pour l'atteindre, on est obligé d'incarcérer dans des conditions de maison centrale des détenus dont le comportement ne le justifierait pas complètement. Ce qui veut dire que les détenus véritablement dangereux ou dont la prise en charge est véritablement difficile, sont en très faible nombre dans les établissements pénitentiaires et ce n'est pas sur le comportement de ces détenus-là que l'on peut organiser globalement la prise en charge des 72 000 détenus. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que depuis ce rapport de 2006, beaucoup de changements sont intervenus dans le droit, notamment l'intervention de la loi pénitentiaire en 2009 et la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2007. Et pourtant, tout ce que vous avez écrit dans ce rapport demeure à peu près d'actualité. On pourrait reprendre le même rapport sans rien y changer, mais si on reprend le même rapport sans rien y changer, on peut craindre aussi que ses conséquences ne changent pas non plus et qu'il soit finalement assez peu productif. Donc je crois que ce qu'on peut aujourd'hui attendre de l'Assemblée de la société civile sur un regard nouveau en matière de réinsertion, ce sont deux choses. La première, c'est d'évaluer ce que c'est que la réinsertion. La réinsertion, ce n'est pas seulement l'absence de récidive, c'est déjà ça bien entendu, mais c'est aussi le retour à une vie normale, c'est-à-dire le retour à un travail, à un logement, à un emploi, à une famille. Et donc, cette réinsertion, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement objectiver sa mesure, on ne sait pas véritablement la mesurer et, pour tout dire, on ne sait pas véritablement en définir de manière claire et complète les critères. Ce serait, je pense, le premier rapport qu'un rapport de cette nature pourrait avoir. Le second, ce serait que l'on ait une véritable évaluation du rapport entre le coût de cette politique et son efficacité et que, notamment, le Conseil économique, social et environnemental compare cette politique à la fois aux réinsertions, aux résultats de réinsertion que l'on obtient en milieu ouvert et à la fois aux évolutions qui ont pu se produire dans certains pays, puisque tous les pays européens aujourd'hui voient une baisse de leur population pénale, sauf la France. Beaucoup de pays connaissent un problème de surpopulation, mais partout, l'effectif de la population pénale est en baisse. Et à cet égard, il y a l'exemple des Pays-Bas qui pourrait être creusé, puisque aux Pays-Bas, la population pénale a baissé de manière si drastique que le nombre de places de prison est aujourd'hui excédentaire.